Représentants des médias, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à ce 19e bilan de la DPJ en compagnie de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, madame Catherine Lemay. La directrice de la protection de la jeunesse de Chaudière-Appalaches, madame Caroline Brown. Et le directeur de la protection de la jeunesse de la capitale nationale, monsieur Patrick Corriveau. Après 2 années en vidéoconférence, nous voulions revenir en présentiel, mais en gardant en tête que nous couvrons, avec nos 2 régions administratives, un large territoire passant de Charlevoix aux Appalaches. Nous avons donc décidé de faire une formule hybride. Or, les gens qui se sont connectés sur la plateforme Teams peuvent regarder la conférence de presse sur le lien YouTube fourni dans l'invitation. Ce qui implique que, pour la période de questions qui aura lieu à la fin de la présentation, les gens sur Teams pourront écrire leurs questions tout en donnant leur nom, le nom du média qu'ils représentent et à qui la question s'adresse, et mon collègue transmettra la question. Finalement, je vous demanderai d'éteindre vos sonneries de cellulaire. Commençons donc ce bilan intitulé « J'aimerais vous dire » par une courte vidéo qui démontre que nous devons être à l'écoute de nos adolescents. Stéphane Michek à la presse, ça va faire 5 et 61, s'il vous plaît. Merci. Camille, peux-tu me faire un banana split, s'il te plaît? Je vais prendre la caisse. Oui, c'est correct. Et voilà, merci, bonne journée. Camille, peux-tu lâcher ton sel, s'il te plaît? On est dans un rush, là, c'est pas le temps. Camille, j'ai vu la photo que tu as reçue sur ton sel. Finis ta commande, prends une petite pause, puis j'aimerais ça qu'on s'en reparle après, OK? Écoutons les adolescents. Soyons attentifs à leur humeur, leur attitude. Prenons le temps de les regarder, de partager un moment avec eux. Soyons présents, soyons ouverts, car tous les enfants méritent que l'on s'intéresse à eux. Il n'y a pas que les mots qui vous parlent. Je laisse maintenant la parole à Mme Caroline Brown et M. Patrick Corriveau à vous livrer des messages touchants et importants qui concernent toute la communauté. Mme Brown. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour notre rendez-vous annuel. On a choisi les DPJ cette année, le thème, j'aimerais vous dire, parce que les enfants, ben, c'est pour ça qu'on fait notre travail. Vous avez vu ses yeux? Elle nous parle. En tout cas, moi, elle me parle. Écoutons les enfants et les adolescents. Prenons le temps collectivement et individuellement de bien saisir ce qui les rend heureux, ce qui les aide à grandir et à s'épanouir, ce qui les sécurise. Soyons aussi attentifs à leur humeur, leur malaise et leur détresse. Soyons présents à ce qu'ils vivent. Un enfant ou un jeune qui s'isole, qui est toujours triste, qui développe des problèmes de comportement et qui éprouve des difficultés scolaires, cache souvent une souffrance qui devrait tous nous alerter. Que l'on soit un parent, un grand-parent, une tante, un ami, une gardienne, un enseignant, prenons le temps d'écouter ce qu'il a à dire, de voir ce qui ne va pas, de lui faire sentir qu'il peut se confier, que nous sommes là pour lui. Écouter un enfant, que ce soit à l'école, au service de garde ou à la maison, c'est se rendre disponible, aller au-devant de lui, prendre le temps tout simplement de lui demander comment s'est passée sa journée, c'est quoi qui l'a réjoui, c'est quoi qui l'a tracassé. C'est aussi l'observer lors des activités qu'on partage avec lui. Car les enfants et les adolescents communiquent avec nous avec des mots, bien sûr,
mais aussi par leur comportement, les dessins, leur attitude. Et certains adolescents s'expriment aussi en commettant des délits et des actes violents. Pour se développer pleinement, les enfants et les jeunes doivent trouver leur réponse à leurs besoins physiques, affectifs et cognitifs. Tout doit être mis en place pour que leur corps, leur cœur et leur esprit atteignent leur plein potentiel. On doit leur donner la possibilité de développer une capacité de créer des liens en toute confiance. C'est le point de départ de leur estime de soi et de leur aptitude à devenir autonome. Chaque âge comporte ses défis sur le plan du développement dans chacune de ses sphères et tout retard doit être comblé pour s'assurer que l'enfant continue d'évoluer de façon harmonieuse. Dans le bilan 2022, nous voulons donner la parole aux enfants et aux adolescents, les écouter, les mettre à l'avant-plan et en tant que premier artisan de leur développement. Les enfants connaissent leurs besoins et sont en mesure de nous les communiquer. À nous de les écouter. Nous, les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse, insistons sur l'importance d'entendre ce que les enfants et les jeunes ont à nous dire et de le placer au-dessus de toute autre considération, leurs intérêts, leurs besoins et leurs droits. Comme DPJ, nous devons intervenir lorsque la sécurité ou le développement d'un enfant sont compromis. Or, si on comprend assez facilement ce qui compromet la sécurité d'un enfant, qu'en est-il de son développement? Cette année, nous avons choisi de répondre à cette question en présentant différents programmes novateurs que nous avons expérimentés au Québec et qui ont déjà un impact pour soutenir le plein développement des enfants de différents âges dans différents domaines de leur vie. On ne part pas de zéro dans la réponse aux besoins des enfants sur le plan du développement. Au fil des ans, la société québécoise s'est donné des orientations claires pour soutenir les parents, premiers responsables du développement des progrès de leurs enfants. Soulignons par ailleurs la création des centres de petite enfance, les CPE, le régime de congés parentaux ou encore la mise en place de programmes de soutien périnatal ou de programmes de stimulation précoce. Au Québec, il est acquis que tous les enfants devraient naître égaux et bénéficier des mêmes chances pour se développer. Pourtant, encore cette année, nous avons assisté à une hausse considérable du nombre de signalements. Chaque jour, de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui présentent des troubles anxieux ou des difficultés d'adaptation majeures sont en détresse et font face à une réelle souffrance. Or, les services spécialisés dont ils auraient besoin ne sont pas toujours disponibles en temps opportun. Nous voulons être la voix de ces enfants, de ces jeunes et faire valoir qu'il y a encore beaucoup à faire pour atteindre notre idéal en tant que société bienveillante pour ces enfants. Nous souhaitons mettre tout en œuvre pour que l'intervention du DPJ dans la vie des enfants, lorsqu'elle est absolument nécessaire, soit de très haute qualité. Nous voulons avant tout que chaque enfant et chaque jeune qui vit au Québec reçoive au moment opportun les services et le soutien nécessaires à sa sécurité et son développement, afin que notre intervention redevienne une mesure exceptionnelle. Notre société doit donner à ses enfants le meilleur d'elle-même et nous nous engageons avec enthousiasme à relever ce défi gigantesque. Toutefois, au-delà des mots, des actions concrètes doivent être entreprises pour démontrer qu'au Québec, les enfants sont une réelle priorité. Pendant la pandémie, les enfants et les jeunes nous ont montré qu'ils sont forts et résilients. Accordons-leur toute notre attention, soyons bienveillants à leur égard, écoutons-les. Merci beaucoup, M. Corriveau. Merci, Mme Brown. Maintenant, Mme Lemay, à vous de faire un bref résumé de vos constatations depuis votre entrée en fonction à titre de directrice nationale depuis plus d'un an. Bonjour tout le monde. D'abord, permettez-moi de remercier Caroline Brown et Patrick Corriveau d'accepter que je me joigne à eux ce matin. Pour moi, c'est un grand privilège d'être avec eux, mais aussi de le faire en même temps que toutes et tous et tous les DPJ du Québec. Pardon. Laissez-moi également remercier d'entrée de jeu tous les intervenants qui œuvrent à tous les jours, au quotidien, avec les enfants, avec les parents, dans des conditions pas toujours faciles, on le reconnaît, mais qui mettent
tout leur engagement, leur savoir-faire, leur expertise au service des enfants et des familles. On a besoin d'eux, on a besoin de vous, et merci pour tout le travail que vous faites. Un merci énorme aussi à leurs gestionnaires, les gestionnaires terrain, qui accompagnent ces équipes-là, qui ont fait face à différents défis, notamment dans les deux dernières années, à cause du manque de main-d'œuvre spécialisée, même voire des fois de la pénurie de main-d'œuvre. Ils ont dû faire des pieds et des mains pour s'assurer que les services soient rendus en temps opportun avec la meilleure expertise possible. Donc, merci aux intervenants et aux gestionnaires. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai été nommée dans mes fonctions actuelles et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai l'impression d'être dans une course contre la montre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de processus à améliorer. Et M. Corriveau a raison, on ne part pas de rien au Québec, mais on a des changements qu'on doit opérer, pas parce que ce qu'on faisait avant n'était pas bon, mais parce que la société évolue, les besoins des enfants évoluent, les besoins des familles. Donc, on se doit de s'adapter, surtout quand on est dans les services ultra spécialisés et d'exception que sont les services en protection de la jeunesse. Dans la dernière année, ma perception des choses, c'est qu'on a mis en place le plan de match, le grand plan de match, la grande structure pour voir la cathédrale à bâtir et qu'on a commencé à poser les pierres. Et chacun des artisans qui contribuent à poser ces pierres-là est important. Je considère également qu'on a fait un bout de chemin parce qu'on est allé chercher l'ensemble des ministères, donc des travailleurs de terrain qui ne sont pas nécessairement en protection de la jeunesse, mais qui sont dans le secteur scolaire, dans les services de garde, dans les organismes communautaires, dans la mobilisation citoyenne. On a besoin de toutes ces personnes pour bien prendre soin des enfants, la DPJ étant le dernier rempart d'exception à ces besoins-là et à cette protection-là des enfants. Pardon, j'ai sorti de mon texte. Je vais juste m'assurer que je reviens. Je m'emballe. Ce bilan aujourd'hui, qui est le 19e, qui donne la voix, la parole aux enfants, c'est important. C'est important au moins une journée dans l'année qu'on puisse reconnaître le travail qui est fait, l'énergie qui est mise, l'investissement qui est mis, mais reconnaître également qu'il reste beaucoup de travail à faire et qu'on a besoin... On a besoin de relève, on a besoin aussi de reconnaître le travail positif qui est fait en protection de la jeunesse, au-delà des bévues qu'il peut avoir et ces bévues-là qui ont parfois des conséquences dramatiques sur le devenir des enfants. On s'organise pour qu'elles ne soient pas vaines et on les utilise pour s'assurer qu'on ne commet pas ces mêmes bévues-là d'une fois à l'autre. Maintenant, en cette journée où est-ce qu'on donne la parole aux enfants, Mme Rand le disait d'entrée de jeu, je vous invite tous à prendre le temps d'écouter les mots, d'écouter les silences, d'écouter les pleurs, les rires, d'accueillir les comportements, les crises, tous ces comportements que les enfants vont manifester aujourd'hui sont autant de messages qu'ils nous passent à nous, les adultes, et qu'il faut s'assurer d'écouter si on veut que leur devenir soit meilleur et qu'on ait une société qui soit digne et bienveillante pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Lemay, voici une autre vidéo témoignant l'importance de l'engagement du voisinage. Allô, Simone! Comment ça va? Bien, bien, j'ai quelque chose à te montrer. Voilà, c'est trop cher que pour un coca. Oh! Écoutons les enfants. Prenons le temps de les regarder, de partager un moment avec eux.
soyons présents, soyons ouverts, car tous les enfants méritent que l'on s'intéresse à eux. Il n'y a pas que les mots qui vous parlent. Madame Brown et Monsieur Corriveau vont vous présenter des programmes qui aident nos jeunes de la DPJ à s'épanouir dans nos deux régions, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale. Bien, je vais débuter avec un programme qui est en déploiement là, partout dans la province, qui s'appelle « Ma famille, ma communauté ». C'est un programme qu'on a déployé, nous, en Chaudière-Appalaches. On a eu notre lancement officiel là, le 31 mai dernier dans les Appalaches. C'est un programme qui vise à mobiliser la communauté et l'associer de très près à la protection des enfants. Ma famille, ma communauté, c'est une adaptation d'un programme là, qui a fait ses preuves au niveau des États-Unis. Donc, c'est un programme américain qui vise à susciter la mobilisation des ressources de la communauté dans le but d'améliorer la sécurité, la stabilité, puis le bien-être et le développement des enfants qui sont vulnérables. Le but, c'est vraiment de rassembler la communauté pour venir s'assurer qu'on puisse garder nos enfants quand ils ont besoin de vivre dans des milieux autres que leur milieu familial, d'être capable d'être le plus près possible de leur milieu familial pour éviter qu'ils soient déracinés et qu'ils puissent, quand on place des enfants dans des localités autres, c'est des enfants qui vont pas à la même école, qui perdent leurs amis, leurs repères, en plus de perdre leur milieu familial. Donc, c'est beaucoup de pertes. Ce programme-là, il a fait ses preuves et il démontre qu'on peut réduire le nombre de placements chez les enfants, qui augmente justement les réunifications familiales, qui réduit aussi le nombre de déplacements d'enfants. Donc, ça assure leur... Puis pour y arriver, ben il faut assurément écouter nos enfants, les écouter, écouter ce qu'ils ont à nous dire dans leurs besoins, dans leur façon de... Quand on les observe, on peut voir que les enfants nous parlent beaucoup. Alors, voilà. Je suis très fier de vous parler du programme Mots d'enfants. Pourquoi? C'est un programme qui vient d'une intervenante terrain qui a fait preuve d'audace, d'innovation, de créativité. C'est une jeune mère orthophoniste spécialisée en protection de la jeunesse qui a mis sur pied un programme de stimulation langagier pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Ce programme-là s'adresse tant aux parents qui vivent des difficultés avec leurs enfants qu'aux intervenants. C'est la mise sur pied d'une plateforme web accessible tant aux parents qu'aux intervenants, où on va retrouver de multiples capsules vidéo d'enseignement ou des pas à pas, tant pour l'intervenant, pour les parents, pour accompagner son enfant dans son développement langagier. C'est un programme aussi qui permet une détection rapide de difficultés chez les enfants et ça peut permettre aussi une prise en charge rapide si, par exemple, un enfant est en attente d'un service plus spécialisé. Ça permet rapidement à l'intervenant ou aux parents là, de tenter de récupérer les retards perçus chez l'enfant. Et c'est un programme qui vient de nos intervenants. Donc, c'est fort intéressant jusqu'à maintenant. C'est très porteur pour les enfants et pour les intervenants. On est en évaluation actuellement dans la région de Québec sur ce programme. Merci beaucoup, M. Corriveau. Madame Brown? Voici maintenant une autre vidéo démontrant que nous devons écouter les enfants, mais pas seulement par leurs mots, mais par leurs gestes. Bonjour, ça va bien? Allô? Je pense pas qu'on se connaisse. Moi, c'est Donia. Et toi? Bon, je vois que tu es concentrée. Je te laisse travailler. OK? Écoutons les enfants. Prenons le temps de les regarder, de partager un moment avec eux.
soyons présents, soyons ouverts, car tous les enfants méritent que l'on s'intéresse à eux. Allons à leur rencontre, simplement. Il n'y a pas que les mots qui vous parlent. Madame Brown, Monsieur Corriveau et Madame Lemieux vont maintenant vous présenter les statistiques du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Madame Brown. Oui, merci. Alors, pour la région de Chaudière-Appalaches, on a 57,5% de nos enfants là, qui sont pris en charge par le DPJ, donc on intervient auprès d'eux, donc la situation, leur sécurité et leur développement est compromis, sont demeurés dans leur milieu familial. C'est quand même une augmentation comparativement à l'année dernière. On a, en Chaudière-Appalaches, 1643 enfants qui bénéficient là, des services de la protection de la jeunesse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 57,5% vivent dans leur milieu familial, mais il y a quand même 10,5% des enfants qui vivent chez un tiers significatif. Ça veut dire une grand-mère, un oncle, une tante, des amis proches. Donc, c'est quand même près de 70% qui vivent dans un milieu connu d'eux. Il y a près de 25% des enfants qui sont en famille d'accueil, puis il y a 7 à 8% des enfants qui sont dans nos centres de réadaptation. Cette année, on a traité 7607 situations d'enfants. Ça représente une augmentation de 14,1% comparativement à l'année dernière. Le tableau comparatif, vous avez les données là, par rapport à cette année à l'année dernière. Donc, les signalements retenus, vous pouvez voir qu'ils ont une diminution. L'année dernière, notre taux de rétention était de près de 39% et cette année est à 31,2%. Donc, voilà. La provenance des signalements traités, donc qui nous appelle, qui est inquiet des enfants puis prend le temps d'appeler à la direction de la protection de la jeunesse pour nous faire part de leur inquiétude envers les enfants? Bien, majoritairement, 40%, c'est les gens du réseau. C'est les gens, des employés là, de différents organismes, suivis de 20% là, du milieu scolaire, qui est quand même encore nos principaux déclarants dans la communauté, si on veut. Suivis de 15% le milieu familial et ensuite les milieux policiers pour ce qui est de Chaudière-Appalaches et près de 10% là, les gens de la communauté, ça veut dire les voisins, déjà des connaissances là, de la famille. Taux de rétention, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il est à 31,9%. C'est quand même une bonne diminution comparativement à l'année dernière qu'on a connue cette année. Et pour terminer, pour les statistiques de Chaudière-Appalaches, là, les deux principales problématiques pour lesquelles on retient, donc qui nécessitent une investigation, donc nos équipes d'évaluateurs doivent aller investiguer davantage ces situations-là, c'est pour 21%, c'est des abus physiques. Pour 18,4%, c'est de la négligence. Ça fait déjà deux ans là, que le volet des abus physiques prend le dessus sur la négligence là, en Chaudière-Appalaches. Quand on combine les abus physiques avec les risques d'abus physiques, c'est quand même 37% de nos situations pour lesquelles on investigue qu'il y a des situations d'abus physiques ou de risques d'abus physiques. Puis pour la négligence, c'est 25% là, de situations si on ajoute les risques de négligence sérieux. Donc, c'est quand même un bon nombre de nos situations qui couvrent ces deux problématiques-là. En ce qui a trait à la région de la capitale nationale maintenant, pour ce qui est des enfants pris en charge par le DPJ, 62,5% des enfants sont demeurés dans leur milieu familial. C'est une statistique qui est très intéressante puisqu'elle s'adresse au mythe hein, qui veut que quand la protection de la jeunesse intervient dans la vie des enfants et des familles, les enfants sont retirés. On voit ici que c'est pas le cas. 62,5% demeurent dans leur milieu. De façon plus large maintenant, pour la région de la capitale nationale, 2240 plus précisément, enfants ont fait l'objet d'un suivi en protection de la jeunesse. Et si on ajoute aux enfants qui sont demeurés dans leur milieu familial, les enfants qui ont été confiés chez un tiers significatif, donc mon oncle, ma tante,
des grands-parents. On tombe à tout près là, de 75 % des enfants qui vivent dans un de ces deux milieux-là, 20 % au niveau des ressources de type familial, donc nos familles d'accueil, et 10 % des enfants sont confiés en centre de réadaptation. Au niveau des signalements traités pour 2021-2022, pour la région de la Capitale-Nationale, c'est 10 518. C'est pratiquement le statu quo avec l'année dernière où on avait 10 600 signalements traités, donc une légère baisse de 1 % pour la Capitale-Nationale. Au niveau du portrait global, donc vous le voyez là, par rapport à l'année dernière, 10 624 signalements. Là où j'attire votre attention, c'est au niveau des signalements retenus. Donc, une diminution là, d'un peu plus de 200. On est passé de 4183 signalements retenus à 3942 cette année. Ça parle aussi de nos façons différentes de travailler, entre autres pour intervenir davantage en amont avec des services de la première ligne où on a des collaborations puis des concertations. Au niveau de la provenance des signalements dans la Capitale-Nationale, 42 % proviennent des employés de différents organismes, entre autres les hôpitaux, le CIUS. 20,6 % des milieux scolaires, qui demeurent quand même là, des signalants très importants dans la région. Près de 16 % au niveau des milieux policiers, 11 % de la communauté et 11 % proviennent du milieu familial. Notre taux de rétention diminué de près de 3 %, donc cette année, 37,5 % des signalements que nous avons reçus ont été retenus pour des fins d'évaluation. Et finalement, j'ai une problématique, il me manque ma feuille, je ne sais pas Caroline, c'est dans ton PowerPoint. Désolé. Vous vouliez démontrer quoi, M. Corriveau? Nos problématiques principales. Les problématiques, Mathieu? Ah, bon, ben on vous reviendra. la donnée n'est pas dans le PowerPoint, ça fait qu'on vous reviendra. Ouais. Comment? Oui, 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 pour la région de Québec, c'est les mêmes problématiques. Là, on parle toujours des deux mêmes problématiques au niveau de l'abus physique, risque sérieux d'abus physique, négligence qui est une problématique forte dans la région et qui est la problématique principale aussi pour laquelle les enfants font l'objet d'un suivi là, au niveau de la protection de la jeunesse. Il y a eu quand même une stabilité au niveau là, des problématiques. Alors maintenant, sur le plan national, cette année, ça représente 132 632 signalements pour tout le Québec, ce qui représente, par rapport à l'année dernière, une augmentation de 12,5 %. Le dernier sommet des signalements qui avait été atteint, c'est avant la pandémie, en 19-20. Par rapport aux signalements retenus, par ailleurs, il y a une légère baisse au Québec qui est de, je vais mettre mes lunettes, pardon, de 2,4 % sur le plan national. Donc, je reprends les mots de M. Corriveau. En fait, les DPJ ont travaillé extrêmement fort cette année pour s'assurer que, avant de retenir un signalement, de s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ou un autre service qui est en mesure d'amener une solution au problème vécu, soit par la famille ou au problème vécu par l'enfant. C'est une des hypothèses qui sont pour nous qui constitue la baisse de signalement retenu cette année. Je vais retourner dans mon texte pour que celui qui pèse le piton puisse se retrouver. 65 % des enfants pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse avaient moins de 12 ans. C'est quand même un chiffre à retenir, puisque les efforts qui ont été mis cette année, c'est surtout s'approcher de nos milieux scolaires, de nos établissements, pour assurer là, qu'on a la réponse en temps opportun pendant que les problèmes sont encore petits et pendant que les enfants sont encore petits aussi. 53,7 % des enfants pris en charge au Québec vivent dans leur milieu familial. Ça aussi, c'est quand même un chiffre important à retenir. Finalement, des données dont vous entendez parler un peu moins souvent parce que ce sont des secteurs plus petits, mais quand même très importants de la protection de la jeunesse. 9 872 demandes de recherche antécédents retrouvables ont été
traités cette année au niveau des directions de protection de la jeunesse. Dans un secteur qui est également, dont on parle moins, mais qui prend toute son importance avec toute la recrudescence de violences qu'on a eues dans la dernière année, 7470 adolescents sont suivis par les DPJ qui sont également des directeurs provinciaux en vertu de la loi sur la justice pénale pour les adolescents. Donc, c'est 7470 jeunes adolescents qui ont reçu des services en vertu de cette loi fédérale. Alors, ça constitue ce qu'on voulait vous présenter sur le plan statistique. Merci beaucoup à vous trois. Alors, avant de passer à la période de questions, je tiens à répéter encore une fois que les gens qui sont en team doivent écrire leurs questions. Peut-être que Mathieu a commencé à en recevoir. Et puis, vous avez reçu vers 10h moins 10 à peu près là, la pochette virtuelle qui comprend le communiqué de presse, la présentation, le PowerPoint. La présentation, elle va être déposée tout de suite après la conférence de presse. Donc, vous avez la ligne de temps aussi. Donc, vous avez toute l'information. Mais si jamais vous avez besoin d'autres informations, gênez-vous pas à m'interpeller. Et avant de passer là, à la période de questions, nous allons regarder une dernière vidéo qui démontre que nous devons être attentifs aux attitudes, aux humeurs des jeunes. Soyons ouverts. Hey, qu'est-ce que tu fais là? On est fermé, t'es pas supposé d'être là. Non, tu m'entends-tu? Je m'en vais. On est fermé, là. Écoutons les adolescents. Soyons attentifs à leur humeur, leur attitude. Prenons le temps de les regarder, de partager un moment avec eux. Soyons présents, soyons ouverts, car tous les enfants méritent que l'on s'intéresse à eux. Allons à leur rencontre, simplement. Il n'y a pas que les mots qui vous parlent. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mme Lemay. Une courte question. Bonjour. Je comprends. Moi, je retiens qu'une hausse considérable des signalements, 12,5%, c'est pas rien. Vous direz, bon, le nombre de signalements retenus diminue, mais comment on explique une hausse comme ça à l'échelle du Québec de 12,5%? Bien, plusieurs hypothèses, mais la plus plausible, je vous dirais, c'est que n'oublions pas qu'on sort de 2 années de pandémie où la population en général a trouvé ça extrêmement difficile et où c'est documenté par nos chercheurs que pour les familles vulnérables et les enfants vulnérables, ça a été encore plus difficile. Donc, des enfants qui vont moins bien, pour lesquels les adultes qui les côtoient ont signalé un enfant, c'est probablement ça là, qui explique en grande partie la hausse. La bonne nouvelle là-dedans, puis vous l'avez souligné, puis je l'ai mentionné d'ailleurs, c'est qu'au niveau des signalements retenus, il y a une baisse. C'est donc qu'au-delà des signalements qui sont rentrés à la protection de la jeunesse, les DPJ ont quand même réorienté pour les enfants qui n'avaient pas besoin de protection, ont réorienté ces enfants-là vers des services plus en proximité, soit dans un organisme communautaire spécialisé, soit dans un secteur de pédiatrie sociale, soit aux services de proximité offerts par les CIS et les CIUS au Québec. Je comprends dans le communiqué québécois à l'échelle nationale qu'il y a aussi une hausse importante, considérable, de taux d'anxiété puis d'adaptation, notamment des adolescents. Pourquoi? Bien, encore une fois, la pandémie, et ça c'est documenté par les chercheurs qui sont spécialisés dans le domaine social et dans le
les recherches auprès des enfants. La pandémie a eu un effet de refermer sur elle-même des familles qui étaient déjà vulnérables à l'avance. Donc, dans certains cas, et même avec des enfants qui n'ont pas de difficultés, l'anxiété a augmenté. L'anxiété, les troubles de l'alimentation, l'anorexie, la boulimie, si vous jasez aux pédiatres là, dans votre environnement, ils vont vous confirmer qu'ils n'en ont jamais vu autant dans les deux dernières années. Une dernière pour moi, qu'est-ce que je voulais vous demander? Voyons, j'ai un plan de mémoire. Oui, la pénurie. L'année passée, à Chaudière, à Valanche, je crois qu'il manquait une trentaine d'intervenants, ça représentait à peu près 35% des effectifs totaux. Est-ce qu'on est encore avec ce problème de main-d'œuvre dans toutes les régions du Québec? À l'échelle nationale, on est encore avec un manque de main-d'œuvre spécialisée. Et j'insiste sur le manque de main-d'œuvre spécialisée parce que, notamment pour travailler en protection de la jeunesse, c'est certains titres d'emploi qui ont des activités réservées en protection qui doivent les réaliser. Donc, il y a un nombre limité de professionnels qui peuvent occuper ces fonctions-là. Donc, c'est d'autant plus important pour nous de s'assurer que, oui, on a ces gens-là en nombre suffisant, mais qu'on revoie notre organisation de services pour s'assurer que ces activités-là qui doivent être faites par ces professionnels-là le sont, mais qui sont soutenus par d'autres corps d'emploi qui peuvent venir les soutenir et les aider. Bien, je vous dirais que si je me fie aux statistiques qu'on reçoit à toutes les semaines, il en manque à peu près 900 dans tout le Québec. Puis une dernière encore, la pire région du Québec en termes de hausse du nombre de signalements ciblés? Non, je ne peux pas vous parler d'une région en particulier puisque les statistiques, c'est volatile. Hein. À toutes les semaines, on prend des photos de la situation, mais le vent peut tourner très vite. Donc, il faut prendre chacune des situations dans sa spécificité de région également. Il faut regarder le problème, pas seulement la protection de la jeunesse, mais tout ce qui peut être fait avant et après. Merci, Mme Lemay. Je vais juste en prendre une en ligne. Mathieu? Mme Diane Tremblay du Journal de Québec adresse une question et à Mme Brown et à M. Corriveau. Alors, elle souhaite savoir quels sont les délais d'attente pour une évaluation à la protection de la jeunesse dans Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches, et pour les deux régions aussi, le nombre actuel d'évaluateurs dans les deux régions. Oui. Donc, merci pour la question. En Chaudière-Appalaches, dans les faits, là, le temps d'attente, notre date de premier contact, c'est de la façon dont on est capable là, d'identifier au moment où on a retenu le signalement puis le moment où on est assis dans la cuisine avec les familles pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. On a une date de premier contact de 24 jours. Donc, ça veut dire en moyenne, nos situations attendent 24 jours. Pour ce qui est du nombre d'évaluateurs ou du manque de personnel, je l'ai compris comme ça, là, parce que bien, sur le terrain, là, on a actuellement 59 évaluateurs, ce qui est notre plan de poste. Il nous manque peut-être 5-6 ressources actuellement, mais ce n'est pas du tout le même portrait qu'on avait l'année dernière, effectivement. Là, même si le défi de la main-d'œuvre restera toujours un enjeu important, il reste que dans la dernière année, on a été capable là, d'ajouter du personnel de soutien administratif, mais aussi de soutien clinique qui fait en sorte qu'on est capable là, d'arriver à une statistique comme celle-là. Pour ce qui est de la Capitale-Nationale, au niveau des délais d'attente, je trouve important de mentionner que nos situations sont catégorisées en fonction de code 1, 2, 3. Donc, les codes 1, ça représente les situations pour lesquelles il faut une intervention immédiate. En ce qui concerne les codes 2, c'est une intervention à l'intérieur d'un 24 heures. Et par exemple, pour les codes 3, c'est des situations qui peuvent attendre un certain temps. Par exemple, un adolescent qui présente des troubles de comportement. C'est important de comprendre que, en ce qui a trait au code 1 et au code 2, 100% des situations sont traitées dans les délais requis, considérant le niveau de criticité que ça requiert. Donc, il n'y a aucun délai pour les codes 1, les codes 2. Et en ce qui a trait au code 3, c'est des situations qui peuvent attendre au maximum jusqu'à 21 jours en moyenne au niveau de l'attente. Et
au niveau des intervenants pour la région de la Capitale-Nationale, on se situe en moyenne à 80 intervenants en présence sur 90 de façon là, mensuelle environ. Là. Donc, c'est environ 10-12% de notre personnel. Et tout comme Mme Brown, on met toutes sortes de moyens en branle, des aides sociales, des éducateurs qui viennent soutenir les intervenants sociaux pour leur permettre là, de libérer puis de se concentrer à 100% là, dans leur situation. Mme Tremblay adresse une sous-question. Elle n'est pas identifiée comme à M. Corriveau ou Mme Brown. Elle aimerait savoir si la norme pour le délai d'attente est toujours de 12 jours. Bien, je peux y aller. Allez-y. Bien, la norme, il y a des standards de pratique qui ont été révisés. Elle sera révisée assurément, mais dans les dernières années, le ministre Carman avait mis cette norme-là à 22 jours. Merci, madame. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, M. Lapointe. Oui, on a eu quelques familles d'accueil là, qui ont soumis leur intérêt à devenir famille d'accueil, quelques personnes. Mais écoutez, c'est vraiment un enjeu important actuellement, le nombre de familles d'accueil. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'on en manque partout au Québec, mais particulièrement aussi en Chaudière-Appalaches, là, le nombre de familles d'accueil, on a très peu, un pourcentage très peu élevé de disponibilité là, pour accueillir nos enfants qui ont besoin d'être hébergés dans d'autres milieux que leur milieu familial. Fait que oui, c'est un besoin criant, effectivement, mais on a eu quelques noms, ça a quand même porté fruit. Oui. C'est un nombre difficile à qualifier parce que ça fluctue effectivement, là, mais actuellement, je disais tantôt qu'à l'évaluation, il nous manque 6 personnes, puis à l'application des mesures, c'est à peu près la même chose. Fait qu'en gros, dans l'ensemble de nos services, là, il nous manque peut-être 10-15 personnes, ce qui est excellent là, comparativement à l'année dernière où on manquait 35 à 40 % de personnel en place. En ce qui a trait à la Capitale-Nationale, je vous dirais sur tout le continuum, autant les intervenants qui sont à la prise des signalements, ceux qui évaluent ou ceux qui prennent en charge les enfants, on tourne environ à 25-30 intervenants là, en manque à gagner. Et est-ce que vous jugez que ça a un impact sur les données que vous présentez aujourd'hui, par exemple, sur le nombre de signalements? Bien, pour ma part, chez nous, on a quand même eu une nette diminution de notre taux de rétention, puis je l'explique en plusieurs points. Dans le fond, on a ajouté beaucoup de personnel à notre service de rétention et traitement de signalement pour permettre que quand on reçoit des signalements, qu'on puisse sortir sur le terrain, accompagner des gens du réseau, soit communautaire ou de première ligne, qu'on fasse la co-intervention avec eux pour aller voir si l'enfant nécessite et la famille des services de la protection de la jeunesse ou il nécessite des services tout simplement. Alors, on les dirige vers les bons services et on voit, là, ça a eu de l'impact important sur le taux, notre taux de rétention. Bien évidemment, si on avait manqué de personnel pour être capable de traiter ces situations-là, bien, c'est sûr qu'on aurait probablement connu une diminution de nos traitements. Fait que qu'on ait 14 % de situations en augmentation, bien, pour moi, ce que ça dit, c'est que j'avais le personnel nécessaire pour traiter les situations qui sont arrivées. Donc, oui, ça a réduit les délais d'intervention. Donc, on a pu intervenir plus rapidement dans la vie des familles. Évidemment qu'on adresse les enjeux de capacité. Là où ça a un impact, c'est sur les délais. Si on était capable d'ajouter du personnel, certainement qu'on sera en mesure de diminuer nos délais de traitement, mais on travaille très fort, comme on le met tout à l'heure, pour ajouter du personnel en soutien de différents corps d'emploi pour être capable de soutenir les intervenants pour vraiment qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Après avoir été placés, vont se retrouver en situation de différence entre leurs 18 et leurs 21 ans. Est-ce que c'est quelque chose? Comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place pour contrer ce problème?
Bien, d'abord, les mesures existent déjà. La prévention de l'itinérance et la préoccupation que les décideurs, mais aussi les intervenants terrain ont de bien préparer les jeunes à leur sortie du placement en jeunesse, c'est pas d'hier. Et d'ailleurs, il y a des programmes reconnus qui font bien ce qu'ils ont à faire, notamment le programme de qualification jeunesse, qui vient d'être bonifié dans toutes les régions du Québec, où on s'assure qu'on donne le soutien requis, pas nécessairement de la même façon que quand les jeunes sont mineurs, mais on accompagne selon les besoins et la volonté des jeunes jusqu'à 25 ans, selon la réponse à leurs besoins spécifiques. Et même un jeune qui part puis qui dit « Non, moi, je ne veux plus rien savoir de vous autres, je m'organise par moi-même », qui vivrait un épisode d'itinérance, peut revenir à 19, 20, 21, 22, jusqu'à 25 ans pour dire « J'ai besoin d'aide, pouvez-vous m'aider? » Et il va être accompagné et orienté vers la bonne ressource pour lui. De plus, je dirais que dans la loi, le législateur s'est assuré qu'il vient préciser que pour tous les enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse, on doit s'assurer qu'au moins 2 ans avant l'atteinte de sa majorité, il y a un plan de match qui est regardé pour lui. Donc, un plan de planification du passage à la vie adulte pour assurer que tous les contours sont regardés, même si on sait bien qu'un plan, quand on arrive à quelques mois de la majorité, les jeunes peuvent complètement le désorganiser pour dire « je veux vivre ma vie », mais quand même, on aura ce souci-là. Je veux juste préciser tantôt que mon chiffre de 900, là, pour moi, incluait non seulement les intervenants qui travaillent en protection de la jeunesse, au suivi, mais également tous ceux qui s'y viennent en appui, en hébergement, notamment nos unités de réadaptation, et ceux qui soutiennent les familles d'accueil. Moi, quand je considère le chiffre, là, qui est un chiffre, puis Mme Brand le disait, tout à fait arbitraire, là, qui peut varier dans le temps, la preuve, en Chaudière-Appalaches, vous avez une amélioration. Par contre, il y a certaines régions du Québec qui ont connu des détériorations. Mais mettons, pour que tout le monde puisse se dire, hey, « moi, j'ai envie de contribuer, combien il manque de monde? » Il manque environ 900 personnes pour être capable de s'acquitter de nos responsabilités. Pour ce qui est des ressources pour les jeunes placés qui sortent, donc il y a des ressources en place. Ben oui, mais il y aura d'autres choses qui vont être faites aussi. Là. Tout n'est pas dans les problématiques actuelles, mais on fait déjà beaucoup. Et c'est un chantier majeur du plan de mise en œuvre de la Commission Laurent qui sera adressé. Je vous donnais des exemples de ce qui se fait déjà, qui se fera encore mieux parce que le programme de qualification jeunesse qui est renouvelé, là, c'est récent là, quand même, ça fait partie des gains de la dernière année. Alors, je pense qu'on a une question en ligne aussi. Mathieu? Oui, alors Judith Desmeules du Soleil aimerait savoir pourquoi on se présente devant les médias à ce moment-ci de l'année, après 9 mois, puisque, dit-elle, le bilan est habituellement déposé en septembre, après 1 an. Je peux y aller. Dans le fond, pour nous, les DPJ, on a fait cette demande-là, dans le fond, d'être capable de pouvoir faire notre bilan le plus près possible de la réalité. Parce que quand on le fait en septembre, on a déjà une bonne partie de l'année qui est amorcée, puis on a le goût de vous parler des chiffres qui sont en cours dans l'année courante, alors qu'on vous donne un bilan là, qui relate, tu sais, nos chiffres qu'on vous donne aujourd'hui sont du 31 mars 2022. Fait que quand on est en septembre, on comprend qu'on est quand même un petit peu en décalage. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir être le plus près possible. Mais bon, à partir du 31 mars, pourquoi on ne le fait pas plus près? C'est parce qu'il faut prendre le temps d'analyser justement l'ensemble des données au plan provincial. Là, ça nous prend, c'est déjà un petit peu serré là, au plan statistique d'être capable de vous les donner bien validées en juin. Donc, c'est un petit peu pour ça que ça a été fait. Et si ça fonctionne bien, probablement qu'on va poursuivre probablement notre rendez-vous annuel en juin plutôt que septembre. Merci, Mme Brown. Est-ce qu'on a d'autres questions en salle? Oui. Ben, par rapport à moi, je vais y aller pour Chaudière-Appalaches, dans le fond, puis vous pourrez voir.
En Chaudière-Appalaches, sincèrement, avec toutes les l'ajout de personnel qu'on a fait, entre autres à notre réception et traitement de signalement, puis tous les programmes qu'on a mis en place pour agir en amont, oui, on s'attendait à avoir une diminution. Puis c'est vraiment des projets qui sont porteurs puis qui nous amènent à vraiment orienter les enfants et les familles vraiment vers les bons services. Moi, ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Puis oui, on pouvait prévoir ça. Ce qui n'est pas prévisible, c'est les gens qui vont appeler. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'appels, moins d'appels? Il y a beaucoup d'imprévisibilité là-dedans. Mais dans les projets ou les programmes qu'on a été capables de mettre en place sur la portée, les résultats que ça donne actuellement, oui, c'est quelque chose qu'on projetait. Une autre question en ligne, Patu? Alexandre Bellemare demande à Mme Brown, on avait connu une bonne hausse des signalements retenus l'an dernier. Est-ce qu'on explique cette baisse cette année par les nouvelles pratiques mises en place dont Mme Lemay parlait ou est-ce qu'il y a d'autres actions spécifiques qui auraient été prises? Principalement, c'est les actions, effectivement, dont Mme Lemay a parlé, dont je parlais. On a ajouté du personnel en place pour les traiter, mais pour aller sur le terrain aussi. On a aussi mis en place là, des programmes de crise, ce qui fait que quand les situations urgentes arrivent ou il y a une crise familiale, ben, on intervient aussi avec des intervenants, pas juste de la protection de la jeunesse, mais des intervenants du réseau communautaire, donc de la communauté. Donc, voilà. Oui, c'est majoritairement c'est ça qui fait en sorte. Puis l'ajout de personnel, bien évidemment. Merci, Mme Brown. Est-ce qu'on a d'autres questions en salle? Non, mais je pense qu'on est en ligne encore. Vas-y, Mathieu. Oui, effectivement. Alors, c'est un retour de Diane Tremblay du Journal de Québec qui aimerait savoir, elle ne destine pas sa question à personne en particulier, est-ce que c'est la première année que les abus physiques prennent le dessus sur la négligence? Pas en Chaudière-Appalaches. C'est la deuxième année consécutive là, que les abus physiques ont pris le dessus, particulièrement chez nos jeunes enfants, 0-5 ans. Comment on l'explique? C'est difficile, dans le fond, à expliquer, mais fort probablement, là, la pandémie a fait en sorte qu'a augmenté la vulnérabilité de nos jeunes, nos enfants. Ils étaient plus isolés, moins de contact avec les gens, moins de répit pour les parents, de l'instabilité au niveau des parents aussi, avec les enfants qui n'allaient pas à l'école à cause de la COVID, les parents qu'il faut qu'ils restent à la maison, et tout ça a augmenté, bien évidemment, un paquet de problématiques au niveau de la santé mentale des parents, au niveau de la toxicomanie, ce qui fait en sorte que ça se traduit chez nos enfants par des augmentations d'abus physiques, là, plus que de négligence, en tout cas dans les deux dernières années pour Chaudière-Appalaches. Si l'un ou l'autre de M. Corriveau, Mme Lemay veut ajouter des commentaires, sentez-vous bien à l'aise? Bien, j'ajouterais peut-être uniquement le fait que je pense qu'au cours des dernières années, hein, on a sorti publiquement à plusieurs reprises pour rappeler l'importance de signaler. Et je pense qu'il y a une forte conscientisation de la société, entre autres à l'égard des gestes d'abus physiques puis du caractère là, inadmissible de ces gestes-là. Donc, ça peut expliquer aussi là, une partie des données qu'on voit cette année. Par contre, pour l'ensemble du Québec, il y a une légère diminution des abus physiques ou des risques d'abus physiques. Mais ce n'est pas significatif pour dire que ça se démarque plutôt d'une région ou d'une autre. Là. Merci. Mathieu, est-ce que tu avais d'autres questions? Pour l'instant, j'ai épuisé la liste de questions. Je mentionne pour les gens qui nous font des demandes spécifiques pour des chiffres qui sont vraiment très concentrés sous des sous-territoires, on vous reviendra en marge de la conférence de presse, mais on va limiter les questions aux déclarations qui sont faites à l'avant. Et non, pour l'instant, j'ai épuisé les questions en ligne. Parfait. Je pense que la conférence est terminée. Je pense qu'on vient de se faire dire que la conférence est terminée. Merci beaucoup de votre présence. C'est très apprécié. Merci pour les gens en ligne également. Si vous avez des demandes d'entrevue pour Mme Brown, vous me contactez. Vous avez toute l'information sur le communiqué de presse. Pour ce qui est de Mme Lemay, c'est directement au ministère. Et M. Corriveau, vous avez aussi les coordonnées de Mathieu. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit l'année prochaine. Merci.